Travaille-toi. Travaille-toi. Travaille-toi, c'est l'heure de se lever. Je n'ai pas envie de me lever. Laisse-moi dormir. Fais-moi confiance. Aujourd'hui, je te ferai essayer quelque chose de nouveau. Oui, c'est ça. Je ne sens rien dans le début de la pandémie. Laisse-moi dormir. Laisse-moi une chance. Ça marche. Vraiment. Et qui te l'a dit? Marcel. C'est qui ce Marcel? Mon ami. Que dois-je faire? Petit déjeuner. Hein? Prendre ton petit déjeuner. Je le prends tous les matins. C'est différent. Je ne te crois pas. C'est prêt. Il n'y a pas. Regarde maintenant. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Café allongé avec une madeleine. Qui a préparé mon petit déjeuner? Marcel, mange. Je n'ai pas faim. Mange. Crois-moi. Je suis sûr que j'ai oublié quelque chose. Un repas, un livre, un étui. Peut-être un petit bouton. Oui, je me souviens. C'était ma première journée de 9h à la fac, n'est-ce pas? Oui. Elle semblait assez proche. C'était l'année dernière. Bois ça. Il me fera découvrir de nouvelles choses. Pas de nouvelles choses. Il te montrera une partie de toi dont tu ne te souviens pas. Thank you.
préparer le café amené à la Franck. Ça n'a aucun sens. Ça a parfaitement sens. Non, je ressentais la chaleur du café sur ma peau et il n'y avait pas de café. Ça n'est pas possible. C'est possible. Tu ne te souvenais pas. Qu'est-ce que c'est ce café? C'est un café gourmand. Ah bon? C'est supposé être magique alors? Non. Tu m'as drogué? Non. Tu m'as drogué, n'est-ce pas? Non, du calme. Je t'ai donné accès à une partie de ta mémoire qui dormait depuis un an et demi. Quelqu'un t'a demandé de la réveiller? Tu avais besoin d'elle. Café gourmand, tu as dit, hein? J'en veux encore. Demain matin. Bonjour. Bonjour à toi. Marcel a préparé mon petit déjeuner? Oui. J'ai faim. Qu'est-ce qu'on mange ce matin? Madeleine et café allongé. Allongé? Il n'y a pas du café au lait? Aujourd'hui allongé. Essaye de mélanger la madeleine avec le café. Et si ce n'est pas bon? Tu l'aimeras. Maman? Oui. Oui, je suis trop agité. Je vais à la fac. Oui, mais je ne veux pas revenir en retard. C'est ma bonne chance. Merci. Oui, je t'appelle quand j'ai fini l'examen, ok? Ok, ça marche. À plus tard. À plus tard. Devine qui a passé l'examen? Oui, j'ai pris une étoile dorée. Oui, je suis son voix aussi, maman. J'ai un faim de loup. Je vais manger. Ok. Merci, maman, merci. À plus tard. À plus tard. Livre. Je suis...
libre. J'attends qu'on recommence les courses universitaires en présentiel. N'espère pas trop, mon chou. Je voudrais une madeleine tous les matins. Elles ne sont pas pour toujours, du coup. C'est-à-dire? Si tu penses que c'est la madeleine à te montrer ce genre de choses, tu perds ton temps. Je n'ai pas compris. Et c'est qui alors qui me montre ces bons souvenirs? Ce n'est qu'une partie de toi-même. Ils ne seront pas toujours de bons souvenirs. Pourquoi ça? Parce qu'il y a tant de douleur en toi. Ce n'est pas vrai. Je suis heureux. On se voit demain. Je veux vous le dire ce soir avec beaucoup de gravité, de lucidité, mais aussi la volonté collective que nous adoptions la bonne organisation. Nous ne sommes qu'au début de cette épidémie. Face à cela, la priorité absolue pour notre nation sera... Rien. Je ne voulais pas revoir ce souvenir. Il t'appartient. Non, c'est pas vrai, j'ai tout oublié. Tu ne peux pas refuser de te souvenir. C'est ton passé. C'est ta douleur. Ma douleur? Non. Je n'en veux pas. Je n'en veux plus. Je ne l'accepte pas. C'est tout. Elle restera pourtant, que tu le veuilles ou non. J'ai besoin d'une madeleine pour enlever ce goût amer dans ma bouche. Ah non, tu ne peux pas la manger. Pourquoi pas? La madeleine a déjà dépassé son temps de parole. Ça veut dire quoi? Tes émotions se sont réveillées. Qui ne les recense pas? Je ne sais pas. Enfin, tu l'as trouvé. J'ai trouvé quoi? Le temps perdu. Je ne l'ai pas recherché. Il t'a trouvé. Tu crois que je perds mon temps? Non. Et si je retournais à ma vie d'avant? Tu perdras ton temps. Il faut regarder vers l'avenir. Et maintenant?